Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui la question c'est est-ce que le conflit est un problème? La réponse est bien évidemment non. Le conflit est extrêmement intéressant parce que le conflit permet de mettre en avant des points de vue qui sont différents et peut-être pas dans un premier temps compatibles. Mais le gros avantage du conflit, ça veut dire que les personnes ont exprimé leur point de vue. Elles ne sont pas d'accord, mais en tout cas les points de vue ont été exprimés. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour travailler dessus. Le vrai problème, c'est de ne pas travailler sur le conflit, c'est-à-dire ne pas chercher à en sortir. Là, effectivement, le conflit va rester tel qu'il est. Les personnes risquent de ne plus se parler. Et effectivement, ça peut nuire au travail. Donc, la vraie problématique, c'est d'agir sur le conflit. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai fait des articles aussi sur comment sortir d'un conflit. N'hésitez pas à aller voir mon blog. Effectivement, j'ai 3-4 articles sur la gestion des conflits. L'idée, c'est donc de toujours se dire « Ok, je suis face à un conflit, c'est pas grave. » C'est tout à fait normal, au contraire. Généralement, quand il y a un conflit, on en sort extrêmement grandi, on a avancé parce que c'était deux points de vue différents qu'on a réussi à travailler pour trouver des solutions. Donc, c'est extrêmement positif. Le truc, c'est qu'il faut travailler pour sortir du conflit. Ça demande de l'énergie, mais en tous les cas, le résultat est toujours là. Donc, un conflit, c'est pas grave. Il faut simplement, en tant que manager, avoir le recul suffisant et nécessaire pour se dire tiens là nous sommes en train de vivre un conflit, maintenant il faut le gérer pour en sortir et généralement on en sort grandi. Voilà, c'était la réflexion du jour, j'espère qu'elle vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.